Foufouf YouTube, comment allez-vous? C'est un super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing de One Up Box, une box américaine que je reçois tous les mois. Plus d'infos en description. Comme d'habitude, on va la faire comme d'hab. On va donc l'ouvrir et on va voir ce qu'elle contient. Pour ceux qui connaissent pas ce type de box, il faut savoir qu'il en existe de toutes sortes. C'est des box mensuelles pour la plupart, entre 20 et 30 euros. Tous les mois, on a un thème qui est donné par la marque. Donc là, c'est One Up Box. Par exemple, ça va être un thème action. Quand c'est du Wood Box, ça va être un thème, je sais pas, Pokémon ou ainsi de suite. Et du coup, on reçoit souvent entre 5 et 10 articles en rapport avec le thème, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, on est parti pour une unboxing découverte surprise. Alors, voyons voir. Première chose, un petit Kirby. Alors là, le but du jeu, ça va être de deviner le nom de la série. En fait, j'ai arrêté de me renseigner sur le contenu des box. Le but du jeu, c'est vraiment surprise à fond. Je ne sais pas le thème de cette box. Donc, on va essayer de découvrir. Alors, vu qu'il y a un petit Kirby, c'est une balle anti-stress. Toute mimi, une petite boule rose. J'imagine, au vu là de ce que je vois, c'est peut-être quelque chose en rapport avec les séries ou les sagas, quelque chose comme ça. Oh, bah c'est ça, je pense que c'est les sagas. Après, on a une peluche Luigi. Alors, voilà, je vous l'ouvre. Donc, on a une peluche bébé Luigi, excusez-moi, sous licence officielle Nintendo, donc Super Mario. Plutôt sympathique. Plutôt sympathique, qu'on peut accrocher soit au rétroviseur de la voiture si on veut faire un peu un bof. Enfin, je trouve que ça fait très bof, les peluches au-dessus du truc. Ou alors, on la garde dans une étagère, ou alors, ça fera un nouveau nounours pour le chat. Bref, un petit bébé Luigi, est-ce qu'il tient debout? Ouais, c'est pas fameux, hein. Il a un de ses chapeaux de fou. Je sais pas si dans le jeu, il a un chapeau aussi gros en bébé Luigi. Parce que le chapeau est quand même assez disproportionné. La peluche est belle, de belle qualité, donc je pense que c'est soit Nintendo le thème, parce que Kirby, je crois que c'est aussi Nintendo vu que c'est sur Wii U. Donc c'est soit Nintendo, soit série, saga, quelque chose comme ça. Après, qu'est-ce que nous avons? Ah, on a un petit t-shirt, alors, voyons voir. Je crois que c'est... Non, en fait, j'en sais rien. Je sais pas du tout le thème de cette box encore. Alors là, on a un chouette petit maillot noir. Alors ça tombe bien, j'adore les maillots noirs. Où nous avons donc une sorte de Charlotte aux fraises. Avec Luigi, Mario, un mignon et Peach. Plus un truc bizarre. La référence, je ne l'ai pas. Vous mettrez en commentaire sur YouTube si vous avez la référence. À votre avis là, à ce stade de l'unboxing, qu'est-ce que c'est? Voilà, question importante. Quel est le thème de cette box? Parce que là, je vois pas trop. Je vois pas trop parce que les mignons, c'est pas Nintendo. Donc c'est peut-être série mignon. C'est peut-être mignon. Tiens, c'est vrai, c'est possible que ce soit mignon. Parce que j'allais dire Kirby, mais c'est pas Kirby. Si, c'est Kirby. Je pense à Kirby 54 quand je pense à ça, là, le youtubeur qui fait des vide-greniers. Mais bah, si, Kirby c'est mignon, petite boule rose toute mimi. Bébé Luigi c'est mignon aussi, c'est un bébé. Là on a un maillot avec des petits personnages mignons, avec des fraises, donc le thème c'est peut-être mignon. C'est peut-être ça, écoutez, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a peut-être ça. Alors on va voir le reste. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on a un petit sac, un petit peu. Alors, on va aller voir de suite à quoi ça ressemble. Alors, vous entendez peut-être le PC dans le fond tourner. Parce que je suis en train de faire un rendu, en fait. Un rendu de motovlog. Donc, le PC, il travaille un petit peu, là. Il chauffe un peu. Alors là, qu'est-ce qu'on a? C'est surtout des goodies, hein, pour ceux qui connaissent pas les box comme ça. C'est surtout des goodies qu'on a. Alors là, on a un sac pour l'été d'ailleurs, où on peut mettre une bouteille d'eau, trois affaires, une casquette et tout ça, donc plutôt sympa pour aller à la plage ou des trucs comme ça. Et on a un chat qui court après un robot. Ouais. Aucune idée. Là, pareil, moi je sèche, je vois pas du tout la référence. Donc, encore une fois, pour ceux qui voient, commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Mais là, le chat qui court après un robot, je vois pas du tout ce que c'est. Je sais pas, on dirait un truc de guitare héros un petit peu, on dirait les pistes de la guitare.
Après, on avait dit que le thème c'était mignon. Un chat qui court. Oh là, faut vraiment qu'ils. Je sais pas s'ils ont fumé de la drogue là-haut, mais. Le thème, je l'ai pas là. Et après, qu'est-ce qu'on a? Après, on a. Ah, on a un repose-gobelet Luigi pour la bière. Voilà, donc c'est un set de table, comme ce qu'on peut trouver en magasin. Sauf qu'il y a un petit Luigi dessus, plutôt sympa pour ceux qui aiment bien la bière ou le Coca-Cola ou autre. C'est plutôt stylé, c'est dommage, on n'en a qu'un. Mais si on avait eu le set complet, ça aurait pu être stylé. T'invites des potes à la maison, tu sors les petits trucs pour pareiller la vitre du salon qui est en verre, bah là tu pèses. Bon, ça à mon avis, je vais mettre un gobelet dessus ou une bouteille cristalline, tiens, attendez, placement de produit. Ça, ce sera le. En fait, je vais le poser comme ça et je mettrai mes bouteilles de cristalline dessus, comme ça. Voilà. Cristalline, bien évidemment, hein. Voilà. Hashtag placement de produit en commentaire. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? On a. Mais ils ont fumé quoi? C'est quoi le thème de la boîte? Ah, c'est miniature! Excusez-moi, je vous ai spoil, mais là, j'en pouvais plus, je comprenais plus rien. Donc, en fait, le thème de cette box, c'était miniature. C'est pour ça qu'ils étaient tous en tout petit. Alors, grosso modo, après, on avait un autocollant. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Et le dernier truc qui reste, c'est tout simplement un petit badge, un petit écusson qu'on a tout le temps. Donc, je commence à en avoir pas mal, One Up Box, parce qu'en fait, toutes les box ont adopté ce modèle, ce schéma. Je ne sais pas qui a inventé ça au début, mais maintenant, toutes les box font la même chose. C'est-à-dire, elles ont toutes le. Elles font tous des trucs comme ça, là. Des. Je sais plus comment c'est. Des pins? Non, c'est pas des pins. Des badges, on va appeler ça un badge. Avec donc la marque en haut, un petit dessin, le mois, donc c'est la box d'avril 2016, et le thème miniature. Donc bon, moi qui en reçois pas mal, j'en ai 25 à la maison. Donc, en avant pour la solution. Le petit bébé Mario, c'était donc un petit Luigi, j'aurais préféré avoir Peach entre nous. Je trouve que Peach est un peu plus stylé, ou Peach. Non, c'est Peach. Peach, c'est mon chat. Là, on a un Antrice. Ah, c'est Ant, d'accord! Alors, c'est Ant-Man, j'imagine. C'est le super-héros qui est minuscule, qui fait la taille d'une fourmi. Je crois que c'est ça. Je n'ai pas vu le. Je crois qu'il y a eu un film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Moi, malheureusement, je n'ai pas vu le film. Après, nous avons. Putain, il fallait le voir quand même, hein. Est-ce que vous reconnaissez Ant-Man, là? Est-ce que ça vous. Pour ceux qui ont vu le film, je crois que Ant-Man a un casque. Mais là, moi, ça me fait plutôt penser à un perso de Fallout ou de Killzone. Et le chat entre nous, il fait penser à tout sauf à un chat de comics. Enfin, je. Ah, donc du coup, ça, c'est du parquet, en fait. Ok. Bon, comme ça, si jamais je sors avec le sac et qu'on me demande, je saurais quoi dire. Après, on a un Munchkin décal. Donc, c'est un sticker, donc un autocollant. Alors là, pareil, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un mignon? Munchkin décal. Alors c'est une box américaine, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'aux États-Unis c'est super connu ça. Bon, personnellement, connais pas. Après on a une Squishy Stress Ball, donc ça je l'avais trouvé. Le petit Kirby tout rose quand on est stressé comme ça, on malaxe. Après on a un Egg Coaster. Alors il est là. Pop, 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 pop. Donc voilà, c'est pour poser. Warm up everyone, favorite dinosaur with a cool mug. Ah oui, c'est vrai, parce que. Putain, j'ai oublié son nom à lui. Yoshi, parce que Yoshi, c'est un dinosaure en fait. J'avais un petit peu zappé. Ok, bon, en gros, c'est pour poser des mugs au-dessus. Et après, on a un shortcake party t-shirt. Donc là, c'est le t-shirt qui est là. Ouf. Et ben, j'ai envie de vous dire, il fallait le voir. Hein, il fallait le voir. Attendez, la balle est tombée. Où c'est qu'elle est? Attendez, attendez, je vais rechercher la balle. Ah, viens ici. Ok, donc il fallait le voir. Donc c'était la vidéo unboxing de la One Up Box de avril 2016 avec le thème miniature. Donc nous avions dedans. Alors entre nous, le thème miniature, je ne l'ai pas trop vu. Pour le coup, la box-là, un petit peu déçu quand même. On va pas se mentir, mis à part le t-shirt qui est un peu stylé. Enfin. Je le trouve stylé. Sinon, c'est pas ouf. Je suis pas ultra fan de. Je suis pas archi fan de peluche. Stress ball. Bah, je suis rarement stressé. On va pas se mentir. Ça, bon, ça peut être cool. Le t-shirt est sympa. L'autocollant, on va pas se mentir. C'est un petit peu tout pourrave.
Je vais le mettre sur le Zen 1000, je pense, l'autocollant, ça va être joli. On va voir comment il est. Alors. Ok. Je vais le mettre sur le Zen 1000, vous me direz ce que vous en pensez, si c'est une bonne idée. Je vais le mettre sur le... Je vais le mettre au niveau du feu arrière, tiens, ça fera joli. Et après, le t-shirt, bon, pour le coup, moi, ce que j'aime bien dans ces box, c'est tous les mois, j'ai un nouveau t-shirt. Pour le coup, ça, c'est plutôt stylé. Voilà. À mon avis, c'est une Charlotte aux fraises, je pense. Petite référence. Avec donc les petits persos, même si on les reconnaît. Putain, c'est des petits, gros personnages. Mario, là, honnêtement, Mario, fallait le voir. Hein. Et Luigi, c'est pareil. Là, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais ils ont jamais dû jouer à la Wii, à mon avis. Donc, du coup, c'est la fin de cette vidéo unboxing, les gens. C'était donc la One Up Box miniature. J'espère que ça vous a plu. C'était un super, on se laisse là-dessus, petite vidéo unboxing. Pour ceux qui aiment bien les vidéos unboxing, j'en fais deux par mois au niveau des box. Voilà, donc pensez à vous abonner, mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la suite. Tchou tchou!